C'est un bel outil de travail qui permettra au football camerounais de progresser beaucoup plus vite. Parce que dans ce centre, nous pourrions permettre aux jeunes camerounais d'apprendre à jouer au football, de mieux se préparer. L'impact, il sera là. Il nous permettra d'avoir des terrains comme celui-là pour qu'on puisse jouer. Notre DTN sera beaucoup mieux logé pour mieux penser au développement du football. Et c'est ce que nous aimons. Nous voyons cette Afrique-là qui est en train de bouger. Et je profite pour dire à la FIFA et à son président merci pour cette belle collaboration. Et ça permet de vraiment développer le football. Avoir un centre technique national de haut standing, bon, pour un sportif, c'est très important pour le Cameroun, pour la fédération et pour les clubs également. La FIFA joue déjà un rôle important. Le fait d'avoir un centre comme celui-ci, c'est déjà la FIFA qui le met en exergue. C'est la FIFA qui nous donne des moyens, c'est la FIFA qui nous pousse à changer également de mentalité. Vous savez que en tant que sélectionneur, je pense que les meilleures structures qui nous intéressent le plus, hein, c'est être dans des environnements pour pouvoir s'exprimer, de pouvoir transmettre et de travailler dans les meilleures conditions. Alors, vous comprenez très bien que avoir une pelouse comme celle-là nous donne la possibilité toujours de pouvoir faire ce que nous devons faire en tant que techniciens.